Et salut tout le monde, c'est Bird Ace et Raph. Salut. Et on se retrouve donc pour la Ligue. C'est la 27e vidéo et donc le début de la 16e journée. Et on va regarder donc le calendrier tout de suite pour voir qu'il y a quelques matchs intéressants. Donc premier match Ajax New Team. Ensuite Corinthians Udinese, le duel milanais entre les Milan et l'Inter. Raymond qui reçoit Barça. Arsenal Real Madrid. Le choc de cette journée, Démon contre Nakachev, Naples contre Marseille, Snake contre Manchester United, Bayern Boca et Juventus Sporting. Donc voilà, on va regarder vite fait le classement très rapidement pour voir que donc Nakachev en tête avec 40 points devant Snake 36 et Real sur le podium avec 35 points. Et donc là, il va y avoir quand même un peu de rachat parce que Raymond, Nutim et Démon, ils n'avaient pas gagné. Donc il va falloir gagner avec eux. Et Marseille, Marseille, ils vont continuer de grappiller des points. C'est pas facile à dire. Et donc voilà. Donc après moi, c'est New Team 5e contre Ajax 15e. Donc c'est parti. Donc, on se retrouve juste avant le coup d'envoi. Donc à tout de suite. Ici Grégoire Margoton avec Darren Tulette. Bonjour Grégoire, je dois t'avouer que depuis que j'ai pris place dans la tribune, je sens que quelque chose de grand va se passer aujourd'hui. Ouais, le team pour l'instant une des équipes les moins en forme de ces dernières journées. Les choix des deux entraîneurs. Ces deux, trois dernières journées par rapport à nos équipes. C'est vrai qu'il a peut-être perdu le plus de points avec Nakachev. Donc aujourd'hui c'est victoire obligatoire. Pas le choix. Plus c'est l'once de départ, pas d'absent. Donc normalement. Il n'y aura pas d'excuses. On va voir ce que nous réserve ce match. Moisander. Schöner. Richailleiro Zivkovic. La passe dans la profondeur. Putain, faut pas vraiment je prends la balle derrière. Il joue dans la profondeur. Quel timing dans l'interception. Zuma. Richailleiro Zivkovic. Trouver la faille dans la défense. Et un peu d'oxygène avec ce ballon dégagé. Schöner. Et si ils ont décidé de me casser les couilles. Ah bah ça c'est la Jacques qui joue bien au ballon. Ah bon. Ce n'est que le début du match, mais on attend que ça s'emballe un peu. Ah, que chier! Ouais. Pris au piège du hors-jeu. Putain. Le gardien loin devant. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Voici un bon centre. Oh putain! Réussite. Oh
possible. Qu'est-ce que c'est plaisant de voir des joueurs avec autant de bonnes intentions. Ça en dit long sur leur état d'esprit. Allez, Zuma. Allez. Sterling. Oh, la passe en profondeur. La puissance, toujours la puissance, mais la finesse, ça marche aussi. Elle a été cadrée en tout cas. Alors, comment vont-ils jouer ce corner? Ah putain! Ça peut être dangereux! En force et ça ne passe pas. La prochaine fois, garçon, un peu de finesse, c'est bien aussi. Elle était carrée. Très prometteuse. Ils ont clairement affiché leurs ambitions. Oh putain, trop con. Bon, le score est toujours nul et vierge. Ah merde, je parie ça fait un crochet. Schöne. Richaïro Zivkovic. Il tente de la jouer dans l'espace. Il peut en profiter. Mais non, mais. N'est-ce pas? Je peux pas. C'est intercepté. C'est Sterling. Voilà. La passe est précise. Non, pas lui jouer à la base, mais bon, c'est pas grave. Ah d'accord. Ah bah c'est. Ah, moi je pensais que c'était lui qui t'a rejoint en bas. Ah bon? Alors, à la base c'est pas ça qui était en haut, c'était Sterling que je voulais. Dégage. Cherche un coéquipier dans la profondeur. Et ça, tu vois, genre, ça se trouve, le gars, il a ralenti. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défense. Bonne interception, il y avait danger. Moisander. Oui. Et allez là. Zilling. Il cherchait la profondeur, mais en face défensivement, ça répond présent. Oui, il faut dire que ça manquait de précision aussi. Un long ballon dans l'espace. Il est servi. Boum. Quel oh, le bâtard. Il donne de l'air à sa défense. Zimling. Allez. Attention à cette passe lobée. Wow. Ça serait le but de Karl même dit ça. C'est au plus de droit. De chance sur le dernier geste. Il récupère directement sur le dégagement. Vas-y. Olé. Ah non mais non. Non mais ça fera pas comme Nick. Ah non, ça c'est putain, mais les joueurs. Non, mais le IA il est cheaté là depuis. C'est pas possible. Ce contre peut très bien aller au bout. Allez. Moisander. Il voit sa passe interceptée.
Je pense surtout que la passe n'était pas bonne, c'est aussi simple que ça. Longue ouverture. Simling. Richa Erosivkovic. Le ballon sort en touche. Sterling. Il glisse le ballon en profondeur. C'est intercepté. Ah, enfin, un peu d'air pour la défense. D'accord, ouais. Allez, essayez d'être précis. Touchez un coéquipier. Oui, Zoma. C'est une blague là. Tiens, non, mais c'est une blague. Non, mais là, c'est une blague. Je peux pas dire autre chose que ça. C'est pas possible. Non. C'est bien fait ça. Schöner est bien placé. Regarde comme il court Chamber, on dirait qu'il est tout fatigué, c'est le gars. Va-t-il en profiter ? Ça joue ? Non mais ça, ça je le vois direct, le gars essaie de marquer un but en faisant de la magie sur nos joueurs là. Genre vas-y toi t'es fatigué. Mais c'est vrai quoi, c'est abusé là. Franchement c'est pas en pré-match que je joue sur PES 2015. Hein. Je commence à comprendre des trucs. Hein. Dans le dos de la défense. Il parvient à centrer. Putain, le cadre n'est pas là, elle va pas entrer les joueurs. Pour trouver la faille dans la défense. Un centre. Pas de il est là pour dégager. Oh. La tentative. Putain. Et ça passe juste au-dessus. Un super tir, mais il n'a pas de chance. Il est tout près de marquer. Derrière Zuma. Mais plus vite là, Bachou là! Putain! Vas-y, ça m'énerve là! Je suis sûr que j'aurais donné avant, il y a un défenseur qui l'aurait eu, t'sais. Le long dégagement du gardien. Vas-y là! Le coup de sifflet d'arbitre avec les joueurs qui vont. M'en fous, même si je ne cherche pas à gagner, je ne perds pas le machin, même pas moyen. Le plus grand bien. Il doit tenir 0-0 jusqu'à la fin, je tiens. Mais pour l'instant, ça fait toujours 0-0. Des occasions. Comment ça là, c'est abusé, on devrait gagner. On devrait prendre l'avantage. 0-0 à la pause, on espère simplement qu'en seconde période, on aura un ou deux. Et le coup d'envoi de cette seconde période. Schöner. Il concède un coup franc. Mais c'est même pas carton de merde là. Carton jaune, oui, c'est logique. Bitch. Bitch chocolat. Et allez, c'est quoi la vie passe ? Sérieux là ? Zimling. Richa Erosivkovic. Une très longue passe. Mais Macho. Ouais mais putain. Gardien de merde. Putain. Ça démontre toute l'efficacité de ses ballons en profondeur. Tout ce qui manquait c'était une meilleure finition. Il me la frappe pas, c'est bien. Il y a du monde dans la surface, c'est chaud sur ce corner. Mais Zuma. Putain, il est facile, mais wouah. Sérieux? Are you kidding me?
On sent qu'ils vont aller chercher ce but. Et pourquoi pas maintenant? Bien sûr qu'on va mettre. Ça, deuxième mi-temps, c'est toujours plus facile. Tant qu'ils n'ont pas marqué les autres, c'est toujours moyen. Une très longue passe. Mais putain, mais Sterling la frappe là, cadre là, mieux là, dans le but, pas dans les mains du gardien. Richaero Zivkovic. Il file vers le but. Il peut encore frapper jusqu'au bout. Attention. Bon les gars, ce sera le gag de l'année ça. Oh putain non mais c'est sérieux. Ce moment il s'est passé tout près 2-3 fois. On sent qu'à force de tenter, ils vont finir par réussir. C'est pas possible. Ah, ça, c'est des gags là, c'est pas possible. Et on attend toujours l'ouverture du score. C'est un gag ça. C'est ça. Pas de hors-jeu, il y va. Mais ouais. Allez, il y a faute là. Il récupère le ballon. Mais il joue avec le costard cravate comme moi ou quoi? Il faut accélérer pour créer le danger. C'est passé. Il joue dans l'espace. Non, mais non. Il reçoit le ballon. Il prend sa chance. Ça. Ah, c'est manqué. Okay, c'est manqué, il faut carrer. Moisander, Schöner. Il peut y aller. Le voilà servi. Faut tirer là. Aucun danger pour le gardien. Allez, on voit bien qu'il met tout ce qu'il a dans cette frappe lointaine. Mais il a combien de chances pour que ça rentre à cette distance? C'est vraiment n'importe quoi. On est entré dans la dernière demi-heure de la rencontre. Plus le temps passe, plus l'ouverture du score va être décisive. Il file dans l'axe. Oh, la passe en profondeur. Ça sent la frappe. Une occasion. Oh, le but. Et voici peut-être le but dont ce match avait besoin. La défense l'a un peu oublié, manque de concentration. La passe était millimétrée, elle lui arrive dans les pieds. Il termine l'action comme il sait le faire. C'est génial. Important. Il faut qu'il profite de ses attaques. Ils ont trop souvent laissé le ballon à l'adversaire. Même ça, j'arrive plus à le faire. Quoi. Ça m'énerve. Il y a encore la possibilité d'un changement. C'est reparti, ils peuvent contrer. Et ils sont pour prendre ce ballon. Putain, chier. Mais comment il peut s'en sortir là? Sérieux? Il écarte, il joue sur l'aile. Allez là. Ça, c'est direct. Et il nous faut la totale dans le jeu, là, c'est abusé quoi. Ça joue long. Bon jaillissement, il fallait intervenir. Zimling. Schöner. Le bon service. Moisander. Schöner. Une grosse salope. Voilà. Sterling. Il tente de la jouer dans l'espace. Il continue sa course. Schöner. Putain.
calmé. Ça doit faire but. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. C'est sans conséquence, mais quelle prise de risque inutile. Ça, c'est de la détermination. Il a provoqué cette erreur grâce à son pressing. Bien joué. Mais... La défense s'en sort. putain. Il va falloir trouver des solutions maintenant. Je ne vois pas trop comment il pourrait faire. Richard Erosivkovic dans la profondeur. C'est une donnée encore une fois. Attends, c'est pas possible. Quelle reprise de volée. Franchement, je peux rien changer. Rien à changer. C'est passé. Pour trouver la faille dans la défense. Et j'y... Oh la frappe. Non mais... Non. Ça n'était pas un ballon facile, mais il a putain, bien mais c'est main, pas possible joué. Ça. J'y... Ça, c'est une interception parfaite. Mais allez, l'arbitre là, putain. Le gardien loin devant. Zimling. Allez, c'est parti. Allez. La défense. Oui. La faute est sifflée. Ah putain, ouais, n'importe quoi ce match. Non mais... Pff. Et ce sera une faute. Ah, il me fait rigoler ce match. Je peux pas en rigoler parce que franchement sinon... Il n'y a pas faute. Il glisse le ballon. Non mais pas hors-jeu. Contrôle comme une qui. Non mais... Non franchement le match là, je sais pas. C'est cheaté. Le match est cheaté. Allez, ça peut faire mal. Il remporte son duel. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Allez, il reste 5 petites minutes maintenant. Pour trouver la faille dans la défense. Il allonge. Sterling. J'ai repoussé pour le moment. Mauvaise remise en jeu, c'est récupéré. Richard Erosivkovic. C'est bien fait ça. C'est joué loin devant. On est maintenant dans les arrêts de jeu. Plus putain, mais Zivkovic, là, qu'est-ce que tu fous là? Reste pas là. Dans le dos de la défense. Le ballon c'est pas normal, terrain. Franchement c'est pas normal. Alors là il ne prend aucun risque. Une très grande ouverture. Longue ouverture. Zimling. Il reçoit le ballon. Le drapeau ne s'est pas levé. À toute vitesse vers la surface. Cette fois, c'est terminé. L'arbitre qui met un terme à la rencontre. Ouais, ça joue plus malin, les gars. De toute façon, au final, c'est pas ça qui gagnera le championnat. Plus vite possible, dès la prochaine journée. Il y avait de l'envie, de l'engagement, un rythme tout simplement incroyable. C'était presque le match parfait. Match parfait. Ouais. Voilà, Barrette, cette soirée match est terminée. Hein. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt. Salut. Thank you.
Bah oui, évidemment, forcément. Mais moi, je retiendrai l'action qu'on a loupée en première mi-temps. Et je sais pas quoi s'est passé là, l'action 1. Mais... Encore un match qu'on aurait dû gagner, qu'on perd. Bon, ben, prochain match, Raymond contre Barça. Donc, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc, on se retrouvera pour ce prochain match. Sur ce, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao. Salut.